Prof. Kyungo Chimbi, merci de nous accorder cette interview. Aujourd'hui en République démocratique du Congo, Richard Muyej-Mondiez-Mons vient de présenter sa démission au ministère de l'Intérieur, 2 ans après bien entendu son absence dans le Lualaba. Qu'est-ce que cela implique? Sur le plan administratif, il vient d'accomplir ce qu'on attendait de lui. Maintenant, il reste les postes vacants. C'est ça la suite. Il reste les postes vacants. Et ces postes vacants, il y a un délai. Et j'ai oublié le nombre de mois. Il y a un délai pour que la CENI vienne organiser les élections. La loi prévoit que son adjoint assume l'intérim. Maintenant, il reviendra à Madame Fifi Masuka, qui est la vice-gouverneure, de se présenter naturellement avec d'autres concurrents. Quelle retombée cette fois-ci pour ce qui est de cette démission de Richard Muyej-Mondiez-Mons en tant que gouverneur ou soit ancien gouverneur du Lualaba? Est-ce que l'actuel gouvernement dirigé par Madame Fifi Masuka à titre intérimaire est conditionné de démissionner? Oui, le gouvernement est démissionnaire. Mais quand le gouvernement devient démissionnaire, cela signifie, selon les normes, la nôtre, que le vice-gouverneur expédie les affaires courantes. Parce qu'il ne peut pas, être élu et rester gouverneur sans la confiance de la nouvelle majorité qui sera dégagée des élections prochaines. Bon, s'il a une majorité lui permettant d'être réélu, il le fera, mais ce n'est pas automatique. Il sera élu pour terminer le mandat de la législature. Ça, c'est sur le plan administratif. Mais les 2 ans auxquels tu as fait allusion, politiquement, je pense, a renforcé le soutien politique à Muyej. C'est en fait Muyej qui en tire les profits. Hein, il apparaît maintenant comme une victime qu'on a écartée justement pendant autant d'années. Mais pour que cela se fasse correctement, si nous étions dans un pays organisé, il doit maintenant faire accélérer, pas lui. Enfin, maintenant, c'est la justice qui est déjà saisie, qui doit maintenant instruire son dossier, parce que les 2 ans qu'il a été mis de côté, ces 2 ans étaient fondés sur la malversation financière. Ne voyez-vous pas qu'il y a cacophonie? Richard Muyej-Mondiez-Mons, qui a été investi en tant que gouverneur de province, mais présentons sa démission au ministre de l'Intérieur. Il n'est pas prévu, mais enfin, nous sommes en train de confondre les ministres de l'Intérieur dans notre pays, dans le système qui était le nôtre. C'était les chefs de la territoriale. Donc tous les territoriaux dépendent du ministre de l'Intérieur. Maintenant que les provinces sont autonomes, ne dépendent plus du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, si la Constitution avait été soumise au référendum dans sa forme initiale, où la province devait jouir de sa pleine autonomie, l'État aurait dû nommer les commissaires de province. L'investiture, c'est une procédure par laquelle le gouverneur s'insère dans le cadre hiérarchique où il doit recevoir les ordres et les instructions de l'État. Prof, vous avez été l'invité de notre journal. Merci de nous avoir accordé cette interview.